Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre unité 4, OC 4. On vous donne le livre, page 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'abord, le texte. Le 14 juillet 1789, date de la Révolution française. La Bastille, qui a servi de prison pendant plusieurs siècles, a été rasée. 200 ans après la Révolution, on a construit le nouvel opéra sur la place de la Bastille. Il peut accueillir 2700 personnes. Au centre de la place de Bastille, à côté de l'opéra, on a élevé en 1847 une colonne surmontée du symbole de la liberté. Ça, c'est la colonne avec le symbole de la liberté. On a ici quelques vocabulaires. Un spectacle, la révolution, raser, une prison, une colonne, surmonter un symbole, la liberté. Alors, question 1. Mais vrai ou faux? Sur la photo, on voit une colonne. Vrai. Le nouvel opéra. Oui. Beaucoup de personnes. Faux. Un musée. Faux. Le symbole de la liberté. Oui. Surmonter les colonnes. Une pyramide de verre. Faux. Exercice 2. Associez les deux parties de la phrase. Colonne 1. Le nouvel opéra de Paris. La Bastille a été rasée. L'opéra de la Bastille, le symbole de la liberté, au centre de la place de la Bastille. B. En 1789, peut recevoir 2700 personnes, et au sommet d'une colonne, il y a une colonne qui se trouve place de la Bastille. Alors, numéro 1. Le nouvel opéra de Paris se trouve place de la Bastille. Bravo. B. La Bastille a été rasée en 1789. C. L'opéra de la Bastille peut recevoir 2700 personnes. D. Le symbole de la liberté. Et au sommet d'une colonne, bravo. E. Au centre de la place de la Bastille, il y a une colonne. Le dialogue. Gamal, je vous invite à passer une soirée au nouvel opéra du Caire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Suzanne. Très bonne idée. Je ne suis jamais allée à l'opéra. On ne peut pas être au Caire sans aller à l'opéra. Voyons le programme de la semaine. Jean, voilà le progrès égyptien. Écoutez, grand théâtre. Aujourd'hui, à 20h, concert de l'orchestre de l'opéra sous le baguette de Maïtou Mustafa. Mais demain, à 20h, récital de violon et de piano avec Abdullah Lotfi et Arzu Ali Kirou. Le 15 avril, à 20h, concert de l'Orchestre National Arabe de la Musique sous le bagage du maître Céline Sihab.
Le 16 avril, à 20 h, la troupe lyrique de l'opéra du Caire présente Aïda, opéra en 4 actes de Verdi, sous la baguette du maître Ivan Ilev, avec Hassan Tani dans le rôle de Ramadou et Imen Mustafa dans le rôle d'Aïda. Le 17 avril, à 20 h, soirée culturelle arabe, organisée par Mohamed Salim, directeur des activités culturelles. Soliste au violon, Anastasia Tepotokreva. Izan, j'aimerais voir l'opéra Aïda de Verdi. Gamal, tout à fait d'accord. Je vais réserver 3 billets pour le 16 avril. Jean et Suzanne, merci beaucoup. Rendez-vous à 19 h 30 devant l'opéra. À l'opéra pendant l'entracte, le jour de l'événement, Gamal, le nouvel opéra du Caire a été construit en 1988. Il comprend le grand théâtre, le petit théâtre et aussi un théâtre en plein air. Après le spectacle, je vous invite à dîner au restaurant tournant qui se trouve au 14e étage de la tour du Caire. Jean, pas question, c'est moi qui vous invite. On a ici quelques vocabulaires. Un concert, un récital de violon, une baguette, une troupe lyrique, des activités culturelles, un entracte, organiser, comprendre ta question. Question 1. Mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. A. Ce document donne des informations sur la tour du Caire. Non, c'est pour l'opéra. B. Le programme de la semaine culturelle à l'opéra se trouve au Progrès égyptien. Oui, vrai. C. Si l'on veut aller à l'opéra du Caire, bien sûr. Jean, Suzanne et Gamel ont rendez-vous le 16 avril à 19 h 30. C'est vrai, bravo. Question 2. Associe les deux parties de la phrase. Suzanne a envie de voir. Gamel va acheter. Les 3 amis vont dîner. Le restaurant se trouve, l'opéra Aïda comprend. L'autre colonne, en haut de la tour, au restaurant tournant, 4 actes, opéra Aïda, les billets. Alors, numéro 1. Suzanne a envie de voir l'opéra Aïda, bravo. B. Gamal va acheter. Bravo, le billet. C. Les 3 amis vont dîner au restaurant tournant. Bravo. D. Le restaurant se trouve au nom de la tour. E. L'opéra Aïda comprend 4 actes. Exercice 3. Remplis la grille. Date le programme. Alors ici, il veut le programme de l'opéra. Au 13-4, c'est le concert de l'orchestre de l'opéra. Le 14-4, 14 avril,
Récital de violon et piano. 15 avril, c'est le concert de l'Orchestre national arabe de la musique. Le 16 avril, la troupe de l'opéra Aïda. Et le 17 avril, c'est le soirée culturelle arabe. Numéro 4. Réponds aux questions. Les amis vont dîner ensemble. Alors, qui invite? C'est Jean qui invite. Ou au restaurant tournant à la Tour du Caire. C'est à quel étage se trouve le restaurant? Le restaurant se trouve au 14e étage. D. Qui organise la soirée culturelle? C'est Mohamed Salem, directeur des activités culturelles. 5. Complète. Numéro 1. On a construit l'opéra du Caire en 1988. On y trouve le grand théâtre et le théâtre en plein air. B. Le 16, on présente Aïda avec Hassan Kani dans le rôle 2. Dans le rôle 2. Alors, le 16 quoi? Le 16 avril. On présente Aïda avec Hassan Kani dans le rôle. C'est ici. Le Ramadi, bravo. Et dans le rôle de Aïda, c'est qui? Imane Moustapha. Merci à votre attention et à bientôt.